DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir sur cette affaire Ricky Toulenge. Ricky Toulenge est transfuge du Darin Club Motema Pembe qui avait été transféré vers le Maroc au club de Difa El Jadida. Ensuite, a été transféré du club marocain vers l'ASV Club. Mais l'ASV Club n'a pas payé, en tout cas, le montant dû à ce transfert. Hein. El Jadida était allé se plaindre du côté de la FIFA et la FIFA a sanctionné l'ASV Club. En effet, la chambre de résolution des litiges de l'instance mondiale a infligé une amende de 82 000 euros à l'équipe congolaise. Hein. La Svita Club perd une bataille administrative face à Difa El Jadida dans le dossier de transfert de son joueur Ricky Toulenge Sindani vers le club antagoniste. Il est sommé de payer une amende de 100 000 dollars avec intérêt de 5% par an à partir du 29 juin 2020 jusqu'à la date butoir du paiement effectif. Si le club qui est actuellement champion de la République démocratique du Congo, édition 2020-2021 de la LINAFOOT, le championnat d'élite en RDC, ne procède pas au paiement de ses frais dans les 45 jours, il recevra des sanctions plus sévères. Et voici ce qu'a affirmé le juge de la FIFA. Dans le cas où le montant dû et majorer des intérêts tels qu'établis ci-dessus n'est pas payé par V-Club dans les 45 jours qui suivent à compter de la date de notification, le club se verra interdit de recruter tant sur le plan national qu'international pendant les trois périodes de mercato et l'interdiction ne sera levée qu'une fois le montant complètement payé. La formation marocaine de Difa El Jadida, lassée de rentrer dans ses fonds, avait porté plainte auprès de la FIFA en 2019 pour non-respect de paiement comme stipulé dans les clauses concernant le transfert de Ricky Toulenge. Une affaire qui semble être similaire à celle qu'a vécu le Darin Club Motema Pembe, même si pour le Darin c'est plutôt peut-être pour non-paiement des salaires de certains joueurs, mais que la FIFA a sanctionné et le Darin a été pénalisé justement par cette sanction qui l'a empêché de recruter des nouveaux joueurs. Alors je vous propose maintenant d'écouter les explications du secrétaire général de l'ASV Club. Le patron de l'administration de l'ASV Club tente de justifier cette situation et nous allons nous retrouver bien sûr après pour la conclusion. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à abonner-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Maintenant, monsieur, il y a plusieurs questions qu'on est en train de nous poser. Vous permettez que dans tout le monde, je sois inscrit dans les spectateurs. Oui, puisque je suis présent. Il y a un problème, Ricky Toulenge. La FIFA, là on a dit actif, dans la bonne site, il y a CAFTE, il y a FIFA, mais il y a aussi que Nathan Guinée Barreso aurait sanctionné le club de payer une amende de 100 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il faut payer 100 000 dollars dans l'équipe Ricky Toulenge avec le transfert? Difa est déjà dit. Oui, Difa est déjà dit. Non, c'est un problème purement administratif. Ce sont des litiges financiers qu'on devrait régler. Ce n'est pas un problème aussi compliqué que ça. Les litiges financiers, ils ont réclamé la fois de maintenant, vite, vous devez payer. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe, CG? N'allez-vous à la clé. Pourquoi vite, elle doit payer? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons acquis le jeu Ricky Toulenge du club Jadida, pardon, oui, Difa El Jadida, oui, par transfert. On n'avait pas eu gratuitement. C'est pas puisque Difa l'avait acheté en son temps, l'avait obtenu par transfert de Montemapembe de Kinshasa. Donc ce n'était plus,
c'était leur joueur en ce moment-là. Et comme le joueur ne voulait pas continuer avec eux, il a préféré qu'on libère. C'est comme ça que nous avons aussi sauté sur l'occasion pour le récupérer. Et on s'est convenu d'un paiement. Mais pourquoi on n'a pas payé à temps? Il est arrivé que l'avocat de... Il jouait avec qui? Ricky avait accusé Defy au niveau de la FIFA pour non-paiement des droits du joueur, notamment de cachet, quelques mois de salaire, des clients, enfin, tout un tas de trucs. Donc, cette accusation, en principe, produit des effets suspensifs. Il fallait qu'on règle, puisque le joueur en ce moment appartient à Beckle. On peut dire oui, puisque Beckle doit à Defy, puisque Defy doit la chose au joueur, et le joueur étant avec Beckle, donc cet argent-là, par exemple, bon, on voulait trouver cet arrangement-là. À l'amiable. Ouais. Mais la FIFA dit non, Beckle, puisque Defy a demandé, Beckle ne me paye pas, il me doit. Pour la FIFA, que Beckle paye, là c'était notre cas, c'est que le joueur aussi doit réclamer ses droits, doit continuer à réclamer ses droits auprès de Defy, comme c'est déjà fait par son avocat. Voilà, très bien, la foi c'est très clair. Alors nous on pensait que vous avez joué, mais très bien. Alors maintenant, mon tour dans les alliés, c'est j'ai 100 millions pour Mbappé sur nos 45 jours. Et puis, de quoi des rimes, ça va pas s'en sortir, bon, et ils ont eu moins de temps, ils me disent, mais bébé, bébé. Est-ce que Veclem est capable de payer 100 000 $ dans les délais de 45 jours? Est-ce capable? Bien sûr que oui, mais il y a certaines conditions. Payer, être capable, mais ne pas incapable, il n'y a pas 100 000 $ après. Donc, on peut bien le payer, même aujourd'hui. Mais... Même aujourd'hui. Bien sûr, pourquoi pas. Banishai. Pas Banishai. Tu n'as pas qu'à comprendre. La vie qu'elle veut que la coquille pour foutre. Même aujourd'hui. Même les deux. Hein. Mais, il y a un mais. Il y a des choses qu'on devrait régler. Ah bon? Bien sûr. Très bien. Ça, c'est voilà, nous vous êtes sommes sur DM de retour, TV, hein, vous venez de suivre là, tout dépend de l'heure à laquelle le vous nous suivez, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais pour ma part, de savoir que vous êtes nombreux, n'aura pas en tout cas été perspicace, n'aura pas bien travaillé dans ce dossier, qui vous propose aujourd'hui de revenir sur cette affaire, alors que Ricky tous les mis d'accord avec le club marocain, du dernier club de transfert, qui avait transféré, qui avait été transféré par Théo Mbappé vers le Maroc. Vous l'avez suivi, selon la notification du juge unique de la chambre de résolution des litiges marocain cette sanction fait suite à cette plainte du club marocain à la FIFA. En tout cas, le sanction doublée d'une amende, d'une pénalité étalée de 5% du côté de la FIFA et la FIFA a sanctionné à partir du 29 juin 2020 jusqu'à la date du paiement des litiges de l'instance selon la notification toujours une amende de 82 000 € à l'équipe congolaise, ajoutant qu'au cas où cette somme majorée d'une pénalité n'est pas apurée en dehors de la FIFA. Jadida, à partir de la date de la notification, le club sera interdit de recrutement pendant trois périodes d'enregistrement des joueurs. Il est sur le plan de payer une amende de 100 000 $ avec intérêt de 5% par an à partir du 29 juin 2020 jusqu'à la date de victoire du paiement. Le 4 juin 2019, si le club trois saisons par la formation marocaine de la République démocratique du Congo, malheureusement, ce contrat n'est pas arrivé à son terme à la suite de malentendus entre les joueurs et sa nouvelle équipe. Procède par en raison de la rupture entre les deux parties. Le joueur, il recevra les sanctions plus sévères de s'engager. Et voici ce qu'a affirmé de l'équipe rivale du Darin Club Motema Pembe. Le montant du est majoré des intérêts tels qu'établis noirs finalement ne sont pas payés par le club. Dans les 45 jours qui suivent, à compter ce genre de problème, d'ailleurs, notification, le club se verra victime de recruter tant sur le plan national qu'international de non-respect des contrats avec les joueurs. Les et l'interruption ne se réalise parce qu'une fois le montant complet du côté de la FIFA, la formation sûre d'être sanctionné. Et l'ex-club, malheureusement, alors qu'il avait un accord avec le club marocain, s'est refusé de payer, porter plainte, obligeant les Marocains de la FIFA qui attendaient toujours le paiement pour aller porter plainte du côté de la FIFA. Et cet argument concernant le secrétaire général de l'ex-club, je suis désolé, mais ce n'est pas un argument sérieux. Dire que nous devons vécu le Darin Club Motema Pembe, même si pour le
vouloir jouer plutôt peut-être pour non qu'on pouvait avoir le salaire de certains joueurs et que la FIFA sanctionné et d'aller vous ne vous êtes même pas entendu justement par le club qui l'a empêché de recruter l'arrangement à l'amiable. Je pense que ça c'est un peu. Alors je vous propose maintenant d'écouter les explications du secrétaire général qui n'a pas été fait correctement l'administration lorsque c'est pas fait correctement juste devant je pense aussi à dénoncer. Je pense que nous allons retrouver bien sûr après pour la conclusion. J'appelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube puisque il a fallu que DIFA porte plainte et maintenant la FIFA vous envoie la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce que alors que c'est l'argent que vous deviez payer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Bien souvent nous nous retrouvons tout de suite après. S'il y a un dossier entre DIFA et le joueur qui doulait, il n'a qu'à porter l'affaire également du côté de la FIFA et c'est à la FIFA d'en joindre à DIFA que vous êtes en train de donner suite à votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose raison. Voilà, nous sommes venus arriver à la fin de ce sujet qui nous espérons vous aura intéressé. Si c'est le cas, nous souhaitons un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo, merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV, activez également la cloche de notification. En cliquant dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. La FIFA et la FIFA a sanctionné l'ASFC Club. En effet.